L'éducation. Laridon et César, frères dont l'origine venait de chiens fameux, beaux, bien faits et hardis, à 2 mètres d'hiver échus au temps jadis, hantaient l'un les forêts et l'autre la cuisine. Ils avaient eu d'abord chacun un autre nom, mais la diverse nourriture fortifiant en l'un cette heureuse nature, en l'autre l'altérant, un certain marmiton nomma celui-ci Laridon. Son frère, ayant couru maintes hautes aventures, mi-main cerf aux abois, main sanglier abattu, fut le premier César que la gent chienne ait eu. On eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse ne fît en ses enfants dégénérer son sang. Laridon négligeait témoigner sa tendresse à l'objet le premier passant. Il peupla tout de son engeance. Tournebroche, par lui rendu commun en France, y font un corps à part, gens fuyant les hasards, peuple antipode des Césars. On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père. Le peu de soins, le temps, tout fait qu'on dégénère. Faute de cultiver la nature et ses dons, ô combien de Césars deviendront Laridons.